moi, je vais organiser mon très bref topo sur une question qui me paraît principale par rapport à la discussion avec le mouvement pour le revenu de base, que je trouve une discussion extrêmement importante, extrêmement intéressante, et je m'entends qu'elle se développe récemment, de façon peut-être plus sereine. C'est la question à laquelle, d'ailleurs, Alexis aussi a consacré une bonne partie de son dernier cours, la question de la centralité du travail dans nos sociétés et de son caractère un peu incontournable si on veut définir un projet d'émancipation crédible. Donc je vais essayer de rappeler en quelques mots pourquoi la sphère du travail est et demeurera une sphère centrale, pas la seule bien entendu, pas unique et loin d'être nécessairement dominante, mais en tout cas une sphère centrale dans l'organisation de nos sociétés et de ce qu'on pourrait dire notre humanité. Alors, il y a quatre motifs de mon point de vue, et je crois que c'est un point de vue qui est très largement appuyé sur ce qu'on appelle les sciences du travail, hein, la psychologie, la psychodynamique, l'ergonomie, la sociologie, l'économie du travail. Il y a quatre motifs essentiels pour lesquels le travail est et demeurera une activité centrale dans les sociétés humaines modernes et prévisibles. La première raison, c'est une raison fondamentale, d'ailleurs que Marx avait déjà élucidée dans les années 1830, et début des années 1840, c'est le caractère fondateur du travail comme expérience pour le développement du psychisme et de la sensibilité de l'être humain, le caractère fondateur de cette expérience de confrontation à la résistance du monde réel lorsque l'être humain essaie d'adapter à ses finalités. Et ça, Christophe Dejour le montre très bien dans tous ses travaux. Le travail est une expérience où la résistance du monde réel nous fait souffrir. C'est dur le travail, mais en même temps, les ressources qu'on peut y développer nous permettent parfois, souvent, de surmonter ces résistances, de développer notre créativité et finalement peut-être de ressentir du plaisir. En tout cas, c'est une aspiration très largement répandue chez les travailleurs de pouvoir développer leur personnalité et de trouver du plaisir dans leur activité. Donc c'est ce qu'on appelle le travail comme activité fondatrice dans beaucoup en toute généralité, fondatrice du développement des capacités, du rapport au monde des êtres humains. Le deuxième motif de centralité du travail, c'est un motif qu'on pourrait qualifier social, le travail est la manière dont les êtres humains font société, dont ils collaborent, dont ils coopèrent ensemble pour produire les moyens d'existence matérielle et symbolique de leur société, de leur vie ensemble. Donc, imaginez une société sans travail, ça n'a pas beaucoup de sens, ce serait plus une société. La société a besoin sans arrêt de produire et de reproduire ses moyens matériels et symboliques d'existence, et c'est ça l'activité, la finalité de l'activité de travail. Et ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le travail comme métier, le travail comme vecteur de socialisation, d'intégration, de reconnaissance sociale, et c'est une dimension sociologique fondamentale du travail. Troisième motif pour lequel le travail va rester un domaine central de l'activité humaine, c'est que le travail est une expérience politique. Dans le travail, on produit et on reproduit les rapports entre les êtres humains, et notamment les rapports hiérarchiques ou les rapports d'égalité. Et plus, on sait bien que plus l'organisation du travail est hiérarchique et militaire, et plus la société va tendre à être hiérarchique et non démocratique, et à l'inverse, développer la démocratie dans le travail, c'est une manière puissante, il y a beaucoup d'études qui l'ont montré, c'est une manière puissante de faciliter l'accès des citoyens, des individus à la vie politique hors du travail. Donc, en tant qu'expérience politique où sont produits et reproduits les normes sociales d'obéissance ou au contraire d'autonomie, le travail a une importance décisive dans nos vies à tous. Et évidemment, la visée de démocratisation du travail, elle vise, évidemment, elle est fondamentale. Alexis le développe très bien dans son livre, elle est fondamentale si on veut envisager une stratégie de démocratisation de la société plus globalement. Aujourd'hui, avec le néolibéralisme, la révolution managériale et les nouvelles formes d'organisation du travail qu'elle impose dans quasiment toutes les entreprises et les organisations, ces trois fonctions du travail, la fonction psychologique, la fonction sociale d'intégration de reconnaissance et la fonction politique, sont mises à mal. Et provoque des souffrances extrêmement, des pathologies extrêmement graves, mais provoque aussi, ça a été le sens
du séminaire, des trois séminaires qu'on a tenus toute la journée, qui ont été extrêmement intéressants de ce point de vue-là, ça provoque aussi des résistances, de nouveaux terrains de résistance et de créativité sociale qui sont, de notre point de vue, décisifs si on veut commencer à reconstruire un projet d'émancipation, un projet crédible transformation sociale dans un sens démocratique, social et écologique. Et puis, la quatrième fonction du travail, c'est évidemment la fonction de production de biens et services, fonction économique, toute basique, à laquelle on pense d'abord, hein, quand on pense au travail, mais je ne l'ai jamais en dernier, c'est pas forcément la plus importante de mon point de vue. Et là, on nous dit beaucoup, et c'est souvent un des discours tenus par les partisans du revenu de base, un discours qui, à mon avis, est faux et n'est même pas utile pour fonder la proposition du revenu de base. Mais ce discours sur la fin du travail, maintenant, avec la révolution numérique, dans 20 ans, 50% des emplois ont disparu. Alors, je suis enfin, très net là-dessus. S'il y a une chose sur laquelle l'ensemble des économistes, libéraux, non-libéraux, orthodoxes, hétérodoxes, etc., sont d'accord, c'est pour dire qu'il n'y aura très vraisemblablement pas de disparition massive du travail dans les 50 ans qui viennent. Alors, il y a quelques chercheurs malins qui se sont fait une très grande notoriété en publiant des études très alarmistes prédisant le contraire. Et ces études ont été massivement reprises dans les médias, mais ça représente, on va dire, 1% des études sur le sujet, vraiment. Donc, malheureusement, ça a un impact totalement démesuré dans l'opinion publique, parce que c'est vrai qu'on vit un malaise de civilisation aujourd'hui, et ce genre de prophétie a tendance à recevoir une adhésion très rapide du public, mais je crois vraiment qu'il faut être extrêmement méfiant par rapport à ces perspectives. Simone Weil, il y aura une conférence demain sur Simone Weil, la philosophe, la grande philosophe des années 30, des années 40. Déjà à l'époque, il y avait toute une controverse sur la modernité, les machines vont supprimer l'emploi. C'était déjà dans les années 30, c'était déjà un thème majeur de débat. Et Simone Weil avait une phrase que je trouve définitive sur le sujet. Hein. Elle disait, pour répondre à ses craintes, elle critiquait beaucoup le travail, hein, mais elle disait le travail humain sera toujours nécessaire pour adapter la matière inerte aux finalités humaines. Et quand on pense à ce que seront les emplois de demain, à ce que seront les secteurs de demain, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est la dépendance, c'est toutes les activités de recyclage, de réparation, ce sont des activités extrêmement intensives en main-d'œuvre, où les robots, les robots en matière d'éducation ou en matière de santé, il y a des marchés qui se développent, mais on ne peut pas dire que ce soit la solution d'avenir. Si on ne peut pas se passer d'un projet de démocratisation du travail. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce projet, je n'ai pas le temps. Je vous renvoie au livre d'Alexis et au mien donc sur Libérer le travail, le livre d'Alexis sur le travail démocratique. Fondamental donc, d'avoir une stratégie d'émancipation, une stratégie de transformation sociale, dont un des piliers serait la libération, l'émancipation dans le travail et on a beaucoup discuté aujourd'hui des manières de reconstruire un rapport de force dans le travail à partir des exigences portées aujourd'hui par les travailleurs face à la révolution managériale qui les met en difficulté. Une des questions majeures, et je vais conclure là-dessus, c'est la question du revenu, c'est-à-dire cette question de la déconnexion éventuelle entre le travail et le revenu. Déconnexion qui, évidemment, serait inévitable si le travail disparaissait, bien sûr, bon, mais je répète, ça n'est pas une hypothèse vraiment crédible. Pour les décennies à venir. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut refonder le lien. Alors, moi, de mon point de vue, il ne s'agit pas de couper, de rompre le lien entre travail et revenu. Pourquoi rompre le lien entre travail et revenu si on a une stratégie de démocratisation radicale du travail, de mise du travail au service des besoins sociaux et écologiques? Pourquoi couper ce lien à ce moment-là? Mais par contre, on a besoin d'une réflexion et d'une stratégie sur la question du revenu garanti et de la façon dont on va garantir à l'ensemble des membres de la société, à un moment donné, quelle que soit leur position par rapport au travail, qu'ils soient insérés dans une entreprise, dans une association, qu'ils soient en formation, ou qu'ils soient au chômage, ou qu'ils soient simplement ailleurs, comment on va. Alors, donc il y a déjà le marché qui reconnaît le travail à travers le salaire versé. Par les entreprises qui travaillent sur des marchés. Il y a l'État qui verse les salaires des fonctionnaires, une forme de reconnaissance. Il faut sans doute, c'est là l'enjeu décisif aujourd'hui, travailler à de nouvelles formes de reconnaissance
des personnes et de leur existence sociale à travers un bon revenu. Et donc moi je suis tout à fait favorable à l'idée d'un revenu inconditionnel, mais qui ne serait pas fondamentalement découplé du travail, qui pourrait passer par différentes formes. Alors Benoît Voritz, par exemple, dans son bouquin, propose des formes de mutualisation des revenus à travers la cotisation. On a déjà du côté des intermittents du spectacle des formes de mutualisation tout à fait intéressantes. On a les coopératives d'activité sur lesquelles Noémie reviendra tout à l'heure. On a des propositions en termes de revenus de transition écologique qui sont aussi tout à fait intéressantes. Des propositions en matière de salaire à vie. Voilà, je pense que on a même la proposition d'un groupe décroissant, la dotation inconditionnelle d'autonomie. Avance des éléments très intéressants de reconnaissance notamment du travail non marchand, de gratuité comme un élément, gratuité d'accès à certains biens et services de base comme un élément de ce revenu de base. Justement. Donc je crois qu'on a besoin d'une discussion voilà, concrète sur quels pourraient être les mécanismes qui refondent le lien entre l'insertion sociale et citoyenne dans la société qui passe et qui continuera longtemps à passer par le travail, mais pas seulement par le travail. Comment on reconnaît les situations de hors-travail, productif, temporaire ou durable, par des mécanismes, donc ceux que je viens d'évoquer, mais qui sont, qui nous amènent à une discussion peut-être plus complexe que l'idée d'un revenu pour tout le monde et on règle le problème, mais à mon avis plus ancrée dans les réalités de l'évolution de nos sociétés. Et aussi dans le simple constat du fait qu'attendre, c'est mon dernier mot, attendre de l'État qui nous octroie un revenu inconditionnel, c'est probablement pas une stratégie politiquement crédible à moyen et long terme. Quel est le rapport de force sociale et politique qui est nécessaire pour obtenir l'instauration d'un revenu de base d'un niveau convenable du point de vue macroéconomique, signifie une redistribution massive de la richesse sociale. Donc, c'est un petit peu... Le problème, c'est qu'on suppose le problème résolu. C'est-à-dire, on dit on va redistribuer massivement la richesse sociale, et après, ça nous permettra de résister aux pressions du patronat. Vous voyez, il y a quand même un problème dans la façon de formuler cette stratégie de transformation sociale. Elle n'est simplement pas crédible. Elle n'est simplement politiquement pas portable par aucun mouvement social réaliste. Voilà. C'est pour ça que c'est une utopie, moi je trouve, extrêmement sympathique, et avec laquelle on voit bien les aspirations qu'elle révèle, hein, et qui sont vraiment fondamentales, et qu'il faut absolument prendre en compte dans tout projet d'émancipation. Les aspirations à pouvoir développer une activité dont on est fier, à pouvoir résister au dictat du patron, à pouvoir choisir librement son travail ou son activité ou son non-travail. Bon. Et ça, c'est des aspirations fondamentales. Mais je pense que la stratégie de ce que j'appelle libérer le travail, elle répond beaucoup mieux à ces aspirations. Parce qu'elle prend le problème à la racine, hein, qui est le problème de comment on produit les richesses. Et parce que le problème de comment on les répartit, peut-être qu'il vient quand même après. Et donc, si on ne repose pas cette stratégie du revenu de base, en pratique, elle évite complètement le débat sur la production de la richesse. Où elle nous dit, ah, mais si on a un revenu de base, on pourra produire la richesse autrement. Mais le problème, voilà, tout simplement, ça n'est pas crédible. Voilà, c'est vraiment le coup gros. Alors, le camarade disait tout à l'heure, quel meilleur argument face au patron de McDo pour résister aux conditions de travail et aux salaires ridicules qu'ils nous imposent. Mais on n'a pas de formule magique pour ça. Et le revenu de base n'est pas une formule crédible pour ça. Alors demandons et luttons pour, par exemple, une allocation chômage inconditionnelle. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas d'emploi, eh ben, il va prendre une allocation de chômage et on ne va pas comptabiliser. Quelqu'un, ou le RSA, on ne va pas vérifier les paires de chaussures ou les brosses à dents, c'est inconditionnel, voilà. Et non conciliable. Alors, quel est le problème avec cette stratégie? C'est que les gens vont vous dire, ah oui, mais à ce moment-là, plus personne voudra aller travailler. Bon. Et donc, c'est bien la question du travail, c'est la question de la qualité du travail qui est en cause. Hein. À partir du moment où vous avez une stratégie, où vous fixez comme objectif de long terme, je ne dis pas que c'est une baguette magique, mais où on s'attaque à la question de la qualité
du travail, des qualités des conditions de travail, des finalités du travail. Et on commence à la poser comme une question politique. On est d'abord des stratégies syndicales, associatives, politiques pour avancer sur cette question-là. Et aujourd'hui, je pense que les aspirations à bien travailler, à mieux travailler, sont extrêmement puissantes dans la société, aussi puissantes que les aspirations à avoir un revenu sans travailler, ou même peut-être plus puissantes. Et ben je crois que là, on a une base pour avancer dans une stratégie de ce qu'on appelle libération du travail, qui ensuite nous permet de poser la question de l'allocation de chômage inconditionnel, absolument. Allocation de chômage inconditionnelle. À partir du moment où le travail redevient ou devient quelque chose qu'on peut choisir, quelque chose qui se déroule dans des bonnes conditions, maîtrisées, avec un collectif de travail qui peut décider pour les... on peut vraiment poser la question d'une allocation chômage universelle, sans condition, inconditionnelle. Et la question de qui va faire le sale boulot se pose beaucoup moins. Hein. Donc, qui va... La fraude sociale généralisée, déjà, c'est un mythe. Même dans la société actuelle, c'est un mythe. Hein. L'idée que les gens se précipiteraient sur l'allocation chômage ou le RSA s'il n'y avait pas tous ces contrôles, c'est complètement un mythe, parce qu'on sait que les deux tiers des bénéficiaires potentiels du RSA ne le demandent pas. Déjà, dans la société capitaliste telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc, imaginez une société où le travail serait profondément transformé dans un sens émancipateur. Donc voilà, moi je partage absolument toutes les aspirations que vous portez. Je crois simplement que la stratégie n'est pas réaliste du point de vue politique et qu'elle nous amène à négliger, à mettre de côté la sphère du travail en disant, bon, une fois qu'on aura le revenu universel, on va régler les problèmes du travail. Voilà, c'est juste, c'est vraiment un problème de stratégie et de chronologie dans les priorités.